jeune et ancien du royaume d'Aloko. Je dois dire que ceci est une visite inattendue. Je vous en prie, mes chers amis, quel est le problème? Nous sommes là pour arrêter Ifechi. Pour la mère d'Nkoma, la mère de Udoka. Oui. Quoi? C'est ce que nous sommes venus faire. Oui. Quoi? C'est mon ami Nkoma qui est mort? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte mystérieusement. Après la petite dispute qu'ils ont eu avec Ifechi ici présente. Alors nous sommes là pour la conduire auprès de Abara. Afin qu'elle dise à Abara ce qu'elle sait sur la mort de cette femme. Oui, oui. Encore? Mes anciens, je ne connais absolument rien à propos de sa mort, je vous en prie. Ifechi, je ne sais pas comment on t'appelle. Nous ne sommes pas ici pour écouter une quelconque explication. Encore moins parce que tu nous dois des explications. Tu diras cela quand tu seras chez Agba. Oui. Maman! Maman! Mon fils, je ne connais absolument rien à propos de sa mort. Crois-moi, j'en sais rien. C'était malentendu. Mon fils, je t'en prie, crois-moi, je suis innocente. J'en sais rien. Mon Dieu! Ifechi, notre prêtre a l'habitude de dire que ce n'est que par un serment qu'on peut croire en quelqu'un. Oui. Je ne vois pas du tout où est le mal ici. Si tu dis que tu es innocente, c'est bien. Mais suis-nous chez Agba. Pour te Oui. Je ne vois pas où est le mal. Oui. Comment peux-tu dire que tu ne connais rien à propos de sa mort? N'est-ce pas toi qui l'as menacé de mort devant tout le monde? Ma chère, je t'en prie, dis la vérité. Tu sais que c'est pas vrai, hein? Tu sais de dire que je l'avais menacé à mort? Non, tu sais que c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis innocente. Hey, mon Dieu, je suis innocente, dis la vérité. Maman, maman, tu l'as fait. D'accord, tu l'as fait, maman. N'ose pas nier cette fois-ci. Ne le nie pas. Je t'ai moi-même entendu dire que tu allais en finir avec elle. Hey, maman. Maman, donc tout ce que les gens racontaient ici sur toi était vrai. Alors c'est vrai. C'est la honte. Hey, mon Dieu. Je suis foutu. Mon frère. Mon frère. Oui. Mon frère, quel est-ce? Même toi. Hey, mon frère, pourquoi? Pourquoi mon frère? Donc même toi. Tu appelles maman une sorcière. Tu traites maman de sorcière. Donc tu ne crois plus à maman. Mon frère, non. Non, mon frère. Laissez-moi vous dire quelque chose. Maman n'ira nulle part. Ma maman n'ira nulle part. Ferme-la. Papa, non. Tais-toi, arrête de parler. Tais-toi. Tais-toi. Enfin, tu te tais. Ferme-moi ta sale bouche, là. Ferme ta sale bouche. Avant que je te gifle. Hé, papa. Ici, elle dit qu'elle n'a tué personne. Elle n'a qu'à suivre les anciens vers au niveau du lieu de pèlerinage. Afin de se défendre. Oui. N'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Tu n'as qu'à aller avec eux. Va leur défendre ton innocence. De quoi parles-tu même ici? Hein? Quel es-tu? Quelle honte ça? Quel es-tu même toi, mon garçon? Même toi. Oh, mon Dieu. Ça va aller. Quel es-tu, mon fils? Arrête de pleurer, hein? Ça va aller. Non, c'est pas vrai. Ça va aller, je t'en prie. Calme-toi. Ça va aller. Itié, ne vous en faites pas. Je vais aller avec elle. Discutez avec elle, je vous en prie. Je n'arrive toujours pas à croire cela, papa. Je pensais que je la connaissais. Toutes ces années, je pensais que je la connaissais. Moi aussi, mon fils. J'ai passé beaucoup d'années avec ta mère avant que la mère de Didioke n'entre dans ma vie. C'était immédiatement quand elle t'a mis au monde. Son véritable visage était exposé. Elle ne voulait personne autour d'elle.
Je pensais que c'était une coïncidence. Jusqu'à ce que je voie ça dans ma propre vie. Jésus. Papa. Es-tu en train de dire qu'elle a tenté de te tuer? Oui, oh. Elle était aussi morte, mon fils. Cela s'était fait après 4 jours lorsqu'elle a tué mon seul fils, Olumisa. Oh, mon Dieu. Udom. Mon fils. Ça fait pitié. Tu ne connaissais pas ce que ta mère était. Jusqu'à ce que tu voyais ça de toi-même. Je sais que tu as mal. Après avoir vu tout ce qui s'est passé durant toutes ces années, elle nous a aussi inculqué. Et je suis désolé que tu sois affecté parce qu'elle m'a laissé sans aucun choix. Cette femme, c'est un démon. Et elle est restée comme ça avec moi pendant un long moment. Et c'est à cause d'une seule raison, m'éliminer. Et elle a continué avec son sale comportement. Je ne pouvais pas hésiter de la chasser de la maison. Alors pourquoi l'oncle Afo a pris sa défense? Il fallait qu'il laisse le jeune de la communauté l'amener au sanctuaire. Ma fille, la vraie vérité est que ce n'était pas à propos d'une relation amoureuse qu'ils sont en train de nous parler. Alors, Eric, c'est ça mon histoire. C'est pourquoi je ne me suis pas fait voir tous ces temps. Eric, je suis allé jusqu'au village. Je me suis presque fait tuer par ma propre mère. Ma mère, j'ai pensé qu'elle m'aimait. La femme que j'aimais de tout mon cœur. La femme pour laquelle j'ai pensé faire tous ces efforts que tu vois. Eric, ça me brise de penser que celle dont je parle là, c'est ma propre mère biologique. Mon Dieu, c'est vraiment incroyable. Incroyable, mon frère. C'est comme ça que les choses se passent dans ma vie, actuellement là. Je n'arrive même pas à accepter que c'est à moi que toutes ces choses-là arrivent. Eric, je veux me réveiller si jamais je suis en train de rêver. Je veux vraiment me réveiller de ce rêve. As-tu dit que les répond à un cas de meurtre là-bas au village? Oh oui. D'ailleurs, en fait, tout ça s'est passé devant moi. Est-ce que tu sais que la femme qui l'a attaqué à cause de ce qu'elle m'avait fait? Je ne sais pas à cause de quoi. Elle a menacé d'en finir avec elle. Eric, le même jour, cette femme est morte mystérieusement. Jésus-Christ! Es-tu sérieux? Eric, je me sens abattu. Je me sens abattu avec tout ce qu'il se passe là, mon frère. Je pensais que je la connaissais. J'ai pensé que je la connaissais toutes ces années. Mais je ne la connaissais pas. Mais aussi longtemps que je vivrai. Aussi longtemps que je vivrai. Je n'aurai jamais aucune raison de l'appeler encore ma mère. Jamais dans ma vie. Très bien. Tu n'as pas besoin d'aller trop loin. Tu n'as pas besoin d'aller trop loin, mon cher. Elle reste ta mère. Femme, comme tu as juré de ne pas venir justifier ton innocence, nous les chefs de ce village sommes parvenus à une conclusion décisive de te bannir de la société
Oui. Oui. Ifeji, tu n'es plus autorisé à participer à une quelconque activité sociale sur cette terre. Voilà, oui. Tu ne peux plus visiter ou communiquer avec une quelconque personne de cette terre. Jusqu'à ce que tu te décides d'aller voir l'oracle pour jurer. C'est comme ça, oui. C'est ça. Ifeji, écoute bien. Désobéir à ceci entraînera l'ébannissement total. Oui. Bam. De cette terre. Exact. Demain, toute la communauté viendra se réunir ici, chez toi. Oui, pour entendre le communiqué. Aucun commentaire. Je ne dirai plus rien. Très bien, on s'en va maintenant. Allons-y. Tu vas les sortir. Oui, tu verras. Je la honte qui s'est formée. Je n'ai rien fait. Calme-toi. Calme-toi. Je n'ai rien fait. Écoute-moi bien. Je les verrai plus tard dans la journée. Ça va aller. Naï, je n'ai rien fait. Je n'ai pas tué cette femme, je suis innocent, mon Dieu. Mon Dieu. Maman, maman, tu pleures. Tu pleures encore. Hein? Je t'avais dit d'arrêter de pleurer. Ça ne m'arrange pas du tout. Maman, maman. J'ai tout entendu. J'ai vraiment tout entendu. Hein? Je les ai entendus te dire d'arrêter d'associer tout le monde. J'ai vraiment entendu toutes choses. Maman, je t'ai dit souvent, ne t'inquiète pas. Hein? Désolée, ne t'inquiète pas. Nous sommes en train de parler avec eux. Hein? Maman, désolée, hein? Désolée, non? Maman, désolée. Arrête de pleurer. Tes larmes blessent mon cœur, maman. Arrête. Maman. Désolée. Je t'ai supplié, non? Désolée. Eric, mon gars. Et que c'est le grand établissement, Eric. Et que c'est qu'il y a des entreprises partout, hey! Partout. Non, tu es vraiment au top. Tu en as beaucoup. Hey. Ah non, c'est plutôt toi. Hey, avant de commencer, mon gars, ouvre cette bouteille. Je veux que tu lui rendes justice. Rends-lui justice maintenant, ici, là, maintenant, là, maintenant, là, en fait, ici. Tu es un grand homme. Ouvre la bouteille d'abord. On doit d'abord boire. On finit avec, d'accord? Mon gars sûr. Oh, oui. Mon gars sûr. Vas-y, ouvre-la. Ne t'en fais pas, mon cher. Fais vite. Elle est déjà ouverte. Ouvre-la rapidement. Laisse-moi te servir. Laisse-moi te mon servir, gars. Mon cher. Ah, c'est bon. Avant de boire, il faut d'abord bien trinquer. Tu comprends ça? Il faut bien le faire. Pour le succès, ce n'est pas facile. Vraiment, mon frère. Ça n'a jamais été facile. Ce n'est pas facile. Eric, il y a un secret derrière ma réussite. Eric, la vérité est que ce qui arrive est bien loin plus que ce que j'imaginais. Jésus. J'ai vraiment réalisé de merveilles. Quand je dis de merveilles, c'est un succès au-delà de toute mon imagination. Seulement pendant les 3 mois passés, Dieu m'a vraiment été fidèle, mon ami. Et tu sais quel est mon problème maintenant, Eric? Je ne sais pas comment raconter au monde entier combien Dieu m'a béni. Je ne sais pas comment célébrer tous ces succès que je suis en train de connaître. Jésus! Eric! Qu'est-ce que tu dis? Mon cher! Organise une fête! Appelle tes amis! Qu'on célèbre ta réussite!
Ce n'est pas facile, oh. Ce n'est pas facile. Toi, tu connais, mon gars, tu connais. En fait, nous devons célébrer. Toi, tu connais, tu es mon frère, non? C'est vrai, Eric. Je prends ton idée. Ta suggestion est toute correcte. Mais ce qui me dérange maintenant, c'est que je ne sais pas si cet endroit est vraiment bon pour une fête. Ça va suffire, cette place. Regarde autour, regarde. Regarde autour de toi, ça va nous suffire, cette place. Erico! Cette fête sera parfaite. Non, c'est bon. Eric, prends ça. Tu sais que tu es le seul ami que j'ai. Oui, je ne peux rien faire sans toi. Invite les gens, nous devons être nombreux. Mon seul ami. Je ne sais pas si tu me comprends. J'ai déjà adopté ton idée, ok? C'est exactement ce que je voulais. Hey! Nous allons faire la fête. Tout le monde sera ici, avec des jeunes filles, des très belles filles, avec des jolis corps. Tout le monde, nous allons faire la fête ici. On va s'amuser. Eric. Mon cher. Je sors avec ta sœur. Tinéré. Je l'aime beaucoup. Je vais l'épouser. Tu sais que nous sommes des amis, non? La relation amoureuse doit être arrangée. Eric. C'est ça. Je n'ai aucun problème. Toi, tu es mon ami, je n'ai aucun problème avec ça. Tu es vraiment sûr? Prof. Oui. Prof. Ma chère. Je t'avais cherché dans tous les villages, mais je ne t'avais pas trouvé. Où étais-tu alors? Oh, ma chère, je suis vraiment, vraiment désolé. J'avais pris une petite pause hors de ce village pour vous voir un ami en ville. Mais je suis de retour ici maintenant et ça va aller. Bienvenue. Merci. Prof. Ma chère, tu sais, j'ai entendu parler de tout ce qui s'est passé quand j'étais absent. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire et c'est que la seule chose qui reste constante dans cette vie, c'est tout ce qui change. Toutes ces choses que tu vois arriver autour de toi, la tribulation, les incompris parmi les compris, venant vers toi avec tous les éléments de la beauté, de l'embellissement ainsi que de l'inspiration. Tu pourrais les voir maintenant et ne plus les revoir du tout. Souviens-toi de ce qui est arrivé dans la Bible avec les Israélites. Quand le Pharaon voulait tuer les Israélites, ils étaient là, ils venaient et ils fouillaient, et ils venaient et ils fouillaient. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, il a dit « Oh, mes enfants, attendez un peu. » Et Dieu devait trouver une autre voie pour eux. Quand ils ont traversé, qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon ainsi qu'à ces gens? Ils étaient tous partis dans la déception. Ils étaient tous déçus. Exact! Ainsi soit-il pour toi. Tous ces gens qui te chassent par-ci et par-là, très bientôt, très bientôt, ils seront démoralisés. Et là, ils disparaîtront. Je veux juste que tu sois à l'aise. Sois à l'aise. Exact. Merci, prof. Oh oui, exact. Merci, prof. Exact. Exactement. J'ai compris. Prof. Oui. Raison pour laquelle je t'apprécie beaucoup. À chaque moment que tu voyages, tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, parce que tu me rends toujours heureuse. Oh, c'est vraiment très aimable. Écoute, si ce n'était pas pour le fait que ton français était un peu énervant, trop décevant. En fait, ton français est un peu... n'est pas si coopératif. Je ne peux pas te sortir avec toi avec ton français. Sinon, je t'aurais demandé d'aller avec moi en ville, ne serait-ce que pour te montrer à quoi ça ressemble d'aller en ville. Je pense c'est pas que tu as raison. Ta nature ne t'a pas aidé avec ta langue. Elle t'a pris tout l'art de prononciation et toutes ces choses-là pour te rendre comme ça, tu vois. Désolé, pouvons-nous continuer notre merci, balade? Prof. Il n'y a pas de quoi. Oh, ça, c'est tu me rends toujours réseau. Oh, tu aimes ça?
Laisse-moi. Kenéo. Hé. Hey. Mon frère. Quel es-tu, mon fils? Quel es-tu? Hey. Quel es-tu, maman? Mon fils? Quel es-tu? Quel es-tu, mon fils? Hey. Maman, comment vas-tu? Quel es-tu? Papa. Tu es très beau. À chaque fois que je reviens, ton ventre grossit toujours, papa. Hey. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que tu donnes à mon père comme ça? Non, il faut un peu de nourriture, oui, un peu trop. Comme tu le vois, oh, je suis trop content parce que j'aimerais que tu venais. Vraiment? Maman? Maman? Ma maman? Maman, ma maman à moi? Maman, quelle est? Hey! Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Hein? D'accord? La prochaine fois que je reviens, tu vois tout ça? Maman? Il faut que tout ça change. Ah quoi? Il est quoi? Hey, mon fils, que Dieu te bénisse. Je, en fait, je vais... Hey, tu verras tout ce que je vais t'acheter. Hey, si vous m'achetez le habit. Tu seras vraiment étonné de tout ce que je t'aurai acheté.
Partout dans ce village, les gens vont commencer à te regarder comme ça. Ils se demanderont ce qui se passe. Hey, maman. Je suis là. Pinon. Oh, tu es généreux, mon fils. Oh, j'ai oublié que je vous ai apporté quelque chose. Non. Entre-toi à l'intérieur et tu vas manger ton plat. J'ai préparé ton préféré. Très bien, d'accord, ok. Hey, maman. Hey, ma maman. Maman. Non. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus faire couler les larmes. Je peux voir qu'ils aiment me voir pleurer. Maman, désolée. Maman, tu pleures encore, maman. Non. Maman, souviens-toi. Tu m'as promis que tu ne vas plus mettre du souci pour lui. Maman, tu pleures encore. Maman, tu blesses mon cœur. Okay, maman, Lichy. Ne pleure plus, maman. Ne t'inquiète plus, maman. Désolée. Ne te dérange plus, maman. Ne te dérange plus. Regarde. Mon fils. Je veux me marier. Oui. Je veux me marier. Je t'amènerai avec moi en Amérique. Maman, Tchandere t'amènera en Amérique. Maman, ne pleure pas. Tu blesses mon cœur. Tu blesses mon cœur. Maman. Quel est moi? Tu as dit que tu veux construire une maison dans ce village? Oui, maman. Et je veux que la construction prenne fin au plus tard une année seulement. Agonia! Papa. Papa, essaie de regarder un peu cette maison. Elle est vieille. Nous ne sommes plus au niveau où nous devons vivre dans une telle maison, papa. Et maman, il y a quelque chose que je voulais te faire savoir. Et tu sais quoi, maman? Je veux que tout ce village sache que moi, je suis arrivé. Oui, oh. Mon frère est arrivé. Frérot, je suis très fier de toi. Très bien. Merci, ma petite. Tu as tout pris de ton père. Papa, tout ça, je l'ai pris de toi. Si tu construis tout ça, tous les villages viendront le voir. Maintenant, tu es un homme. Regarde mon fils, il veut maintenant construire une maison. J'apprécierais vraiment si tu le fais. Bien sûr, papa. Je le ferai. Maintenant, je travaille sérieusement. Oui. Dès demain, je vais voir les ingénieurs. Papa, je vais construire sur ces terrains que tu m'as donné, sur la route Isuna. La route Isuna, c'est la meilleure. Vraiment. Oui. C'est vraiment un très bon côté. Oui. Je l'apprécie. Raison pour laquelle je lui ai donné. Mon mari. Le terrain est en place. Papa, je te remercie infiniment. Omekanya. Papa. J'aime ça, oh. Omekanya. Merci beaucoup, papa. En passant, ma soeur. Mon frère. Comment à l'école? À l'école, tout se passe bien. Dans 2 semaines, nous aurons l'examen final. D'accord. Pourquoi tu ne penses pas venir passer tes vacances avec moi en ville? Tu es sérieux? Oh. Oui, je suis sérieux. Grand frère, c'est bien, je viendrai. Regarde sa tête, tu savais qu'il t'allait. Mais tu veux me laisser juste ici? Tu refuses la permission de ta mère et moi? Elle ne l'a pas fait. Hein, tu veux aller? Qui restera même ici? Oh. C'est
ça c'est quelque chose d'autre. Tu sais quoi? Lorsque j'avais vu le plan de ces buildings, je ne pensais pas que ça allait être si grand. Papa, bien sûr, c'est vrai. Je suis content que tu l'aies apprécié. Tu es un homme. Tu es la ressemblance parfaite de ton père. Odogu Kiebo. Agunya. Papa. Je suis tellement fier de toi. Papa, c'est hey. Bon. Sinon, merci beaucoup. Papa, je suis heureux que tu aies apprécié. Hé hey. Apprécié. Non, ça c'est toute ma vie. Je l'aime. Hé hey. Ça c'est mon fils. Et Kene. Kinichi, c'est quoi la prochaine étape? J'ai fini avec la construction, comme tu peux le voir. Okay. Ce que nous allons faire prochainement, c'est venir aménager. Oh, très bien. Parfait. Magnifique. Magnifiquement et très joliment construit. D'ailleurs, tous tes plans sont magnifiques. Magnifique maison que nous avons juste là devant nous. Quoi qu'il en soit, je suis venu découvrir si ta pauvre mère va venir habiter ici avec toi. Cher prof, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit que j'étais venu découvrir si ta pauvre mère allait venir ici pour habiter avec vous. Écoute, prof. Mon fils, pourquoi tu appelles ces beaux à rien? Hein? Hein? Est-ce que tu connais la signification du mot professeur? Est-ce que c'est comme ça que les professeurs ressemblent? Hein, Mabara? Si tu ne connais pas ce qui est bon pour toi, quitte cette place. Et je vais dire tout de suite. Hein? Tu veux que moi je parte? J'ai dit quitte! Oh! Tu veux que je parte parce que tu ne veux pas qu'il entende la vérité? Tu as échoué à l'examen. D'ailleurs, laisse-moi essayer de te blâmer. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que je le ferai parce que ça ne fait pas partie de mon portfolio. Parce que rien qu'à te voir, tout le monde te connaît parce qu'il y a plusieurs hommes qui font la même chose. Après tout, ce n'est pas bien de récolter là où on n'a pas semé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Écoute, je vais te... Arrête! Ah, arrête! Tu peux pas me frapper papa parce que tu es en colère. Je vais partir. Si tu veux que je puisse vamos, je vais vamos. Et d'ailleurs, je vais vraiment vamos. Mais je ne partirai pas sans t'avoir dit la vérité. Regarde-le. C'est le même garçon que tu as laissé et abandonné ici chez sa pauvre mère. La femme qui avait souffert pour faire de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Maintenant qu'il a de l'argent, tu es tout le temps là avec lui. Criant partout que c'est ton fils. Tu continues encore. Arrête, il faut que je te arrête. Papa, c'est bon, papa, c'est bon. Calme-toi. Oh, n'ose même pas faire ce que tu fais là, n'ose même pas me toucher avec tes sales petites mains là. Ah, calme-toi, c'est bon. C'est quoi ça? C'est bon, calme-toi. N'importe quoi. Cher prof, pars d'ici maintenant. Hein? Je dis va-t'en. Hein? Va-t'en. Quel est-ce? Même toi. Oh, sérieux, le diable est un menteur. Le diable a réussi à envoûter absolument toute l'église. Donc toi, même toi, quel est-ce? Tu veux que je parte? Ils t'ont vraiment mangé. C'est fou vraiment que tu as changé. Ils t'ont mangé et ont récolté les changements. Et d'ailleurs, ils t'ont complètement lavé le cerveau avec du savon. C'était du savon avec le homo. Ils t'ont tellement lavé le cerveau qu'il ne reste plus rien du tout. Voilà que tu ressembles même temps à un cadavre vivant. Regarde-moi sa grosse tête. On dirait un babouin, idiot. Tu es fini. Écoute, je vais partir parce que tu me l'as ordonné. Hein? Mais je ne partirai pas d'ici. Avant que je ne puisse te délivrer ces messages importants. Maintenant, regarde-moi. Regarde-moi très bien. Tous ces gens que tu appelles moi papa, papa et maman, que tu vois là. Où étaient-ils quand ta mère t'est élevée en tant que son enfant? Ils t'ont abandonné, tu étais presque mort. Cette femme t'a élevé, elle t'a nourri. Mais voilà qu'ils t'ont embrouillé et là tu n'arrives même plus à te souvenir de tout que ta mère a fait. Tu dois être sage, ouvre tes yeux. Papa, c'est bon, arrête ça, c'est bon papa. Papa, c'est bon. Laisse-le me taper. Attends là, tu fais un gros là, va donc. Je m'en vais. Qu'est-ce que je peux bien foutre de vous hein? Après tout, je suis un professeur reconnu. Hein? Un très grand professeur comme moi là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux foutre avec vous. Va-t'en avec tes diplômes. N'importe. Écoute, quoi. Je t'avais dit que cet homme est malade. Non, c'est bon papa. Lui, il ne peut pas cacher ton numéro. Mais regarde-le. Vraiment. C'est bon papa. Viens, nous allons entrer. Occupe pas de lui. Vite. S'il vous plaît, vous allez tout mettre dehors là-bas, ok? Mettez tout ça dehors là-bas, ok? Quel es-tu, mon fils? Quel es-tu?
les emmènes dans ta nouvelle maison, ton père et ta belle-mère. Tout en abandonnant ta pauvre mère et ta sœur. Que les Tchoukouji aient tout sacrifié pour faire de toi ce que tu es devenu. Quel est-tu? C'est ça la meilleure façon pour me remercier pour tout ce que j'ai fait pour toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Toi, vieille femme. Écoute-moi très bien. Que ceci soit ta première et ta dernière fois d'ouvrir ta sale bouche pour m'appeler ton fils. Tu m'as entendu? Si tu avais réussi à me tuer, moi et Kelechi, comme tu avais planifié, dis-moi, qui allait faire maintenant toutes ces choses dont tu parles maintenant là? Qui? Hey! Quel est mon fils? Est-ce que je rêve? C'est bien toi? Hey! Quel est? Je t'ai élevé pour que tu sois responsable et raisonnable. Quel est Dieu? Depuis que tout ceci est arrivé, tu n'as jamais voulu entendre ma version d'histoire. Maman. Oh mon Dieu! Tout ce qu'ils ont dit à mon sujet n'est pas vrai. Ils t'ont monté contre moi, mon fils. Et tu les as entendus. Quel est Dieu? Tu as abandonné ta propre mère, celle qui a souffert pour toi. Je ne sais pas si tu me comprends. Que veux-tu que j'entende de toi? Dis-moi, écoutez des bêtises que tu vas dire. Écoutez les bêtises que tu es en train de raconter partout ici. C'est ce que tu veux me dire? Non, non. Si jamais tu as oublié, est-ce que c'est la mort? C'est la mort du frère de Kelechi, il y a plusieurs années. Ou bien c'est le récent meurtre de Koma. Dis-moi! Ou bien quand tu as tenté de me tuer moi-même. Moi? Moi et Kelechi, que tu dis être ton fils. Désolé, oh. L'ensemble de ce village te connaît comme une sorcière. Et ça, tu le sais. Et tu veux que moi là, que je te fasse confiance. Toi de ma vie encore. Non, ce n'est pas possible. Tu es une sorcière. Hey. Chineke. Kelai. Maman. Que fais-tu encore ici? Es-tu prête? Oui, je suis déjà prête. Ok, allez dans la voiture, j'arrive. Hein, mon fils, je serai dans la voiture. Oui, très bien. Ngwa, sois un peu rapide. Hein? Oh, ok, très bien, j'arrive, d'accord. Sois prudente. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Mon frère. Mon frère. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi, laisse-moi te dire quelque chose. Mon frère, ce que tu fais est vraiment mauvais. C'est vraiment, vraiment mauvais. Écoute-moi. Tout le monde ment contre ta maman. Et toi, tu crois en elle. Hey, Kenichuku, Kenichi. Tu n'arrives même pas à croire à ta propre maman. C'est vraiment, vraiment mauvais. Vraiment, vraiment mauvais. Tu es mauvais. Écoute-moi. Tu n'y es rien. Écoute-moi et écoute-moi très bien. Comme tu as décidé d'être de son côté. Écoute ça. Grave-toi dans ton cerveau. C'est la dernière fois que je te laisse m'appeler encore ton frère de toute ta vie. N'ose plus le faire. Tu n'as maintenant aucun droit de m'appeler ton frère. Écoute, mon frère. Mon frère, écoute-moi. Je m'en fous de tout. Okay. Je m'en fous. Ok. Très bien. Je crois en elle parce que je lui fais confiance. Toi, tu n'arrives même pas à faire confiance à ta propre maman. Hey, Kenichi, c'est vraiment, vraiment mauvais. C'est bon, maman. Hein? C'est bon. Comme tu es du côté de ta mère, comme tu viens de le dire, très bien pour toi. Je n'ai aucun problème avec tout ça. Mais sache que plus jamais dans la vie, je ne veux que tu t'adresses à moi comme ton frère. N'ose jamais! Mon fils. Papa. Ça suffit. Allons-y. N'importe quoi. Hey!
Dieu vous jugera, vous tous. Maman, laissez partir. Chukou, si c'est moi qui t'ai porté dans ce ventre durant 9 mois, si c'est moi maman. Qui t'ai donné la vie, quel est Chukou, je t'ai dit, tu ne connaîtras jamais la paix, je t'ai dit. Vous tous, vous ne connaîtrez jamais la paix. Hey. Mon fils, comme tu bénis cette communauté avec ta richesse, l'esprit qui dirige cette communauté te bénira. Ici. Le soleil sera sur toi pendant le jour. Ici. Et la lune pendant la nuit. Ici. Merci mes pères pour vos prières. Et je vous assure que les dieux répondent vraiment à toutes vos prières. Je continuerai d'être une bénédiction pour cette communauté. J'avais une conversation avec mon père la nuit dernière et il m'a dit que vous étiez en train de travailler sur un projet qui consiste à construire un pont qui nous réunit avec le village Okwana. Oui, mon fils, c'est vrai. Tu sais, l'ancien vieillit déjà. Il peut s'écrouler. C'est pourquoi nous voulons construire un nouveau pont avant que cela n'arrive. Oui, nous travaillons déjà sur ça pour savoir combien cela va nous coûter. Hein? Et c'est là pour nous taxer nous-mêmes et tout le peuple de ce village. Oui, c'est un peu ça. Oui. Mes anciens, je ne vois pas pourquoi vous devez impliquer tout le village seulement à cause de ce projet. Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est de rentrer à la maison et faire tous vos calculs. Et revenez-moi. Hey. Ichi Echike. Omekanya. Je vais personnellement gérer cela. Oh. Hey. C'est merveilleux. Bien dit, mon fils. Tu es vraiment un fils de cette terre. Ceci est supposé être un secret. Tu as vraiment touché nos intelligences si profondément en disant cela. Après avoir considéré ta présence sur notre terre, nous les chefs de cette terre avons décidé de confirmer le titre du chef de notre terre. Odeje Koge, premier du royaume d'Alou. Voilà. Odeje Koge, premier. Merci. Oui. Maintenant, c'est à toi de nous dire quand tu seras prêt pour ça. Oh oui. Vous pouvez d'ailleurs le confirmer en tant que chef Fouwa Moroya, premier de notre royaume. Honteux que vous êtes. Moi, voilà. Qui t'a invité ici? Oh, je me suis invité moi-même. Je ne pouvais pas attendre jusqu'à ce que tu puisses m'inviter à venir ici. Alors, je me suis invité moi-même, par moi-même, avec moi-même et chez moi-même. N'importe quoi. Cher prof, pars d'ici maintenant. Parce que je ne pense pas t'avoir invité à cette réunion. Maintenant que je m'en souviens, tu es la raison pour laquelle je suis ici. Tu es la raison primordiale pour laquelle je suis ici. Qu'est-ce que tu connais, laisse-moi te demander. Comment as-tu pu changer comme ça pour arriver jusqu'au point de ne pas m'inviter moi, professeur Wabara. Un grand comme moi, un PhD. Pas seulement âgé, encore plusieurs autres degrés, mais à part ça, je suis plus âgé que vous tous ici. Tu as refusé de m'inviter pour une occasion honorable comme celle-ci, mais voilà ce que vous avez fait comme ça. Voilà qu'on entend te confirmer au chef Fournier, tu vois pas que c'est n'importe quoi. Es-tu normal? Regarde leur visage. Certains d'entre eux ont les visages rouges et d'autres oranges. Tous des oiseaux de même plumage. Aucun sens. Putain de merde. Qui a amené cet insensé ici? Qui a permis à cet insensé d'entrer dans cette parcelle? Bien. Est-ce que quelqu'un peut mettre ses chiens hors de cette parcelle? Oui. Il faut le chasser d'ici. Sale féticheuse. Sale féticheuse qui ne veut que voler cette parcelle. Voilà. Une disgrâce pour l'humanité. Voilà ce que t'es. J'ai essayé de te mettre à une place, mais tu n'es rien apparemment. D'ailleurs, laisse-moi te poser une question. Où est ton ami Nkoma? Réponds-moi. Où est ton ami Nkoma? Oh, as-tu oublié qu'un jour comme ça, il est en train de t'attendre toi aussi?
Tu sais, ta propre tombe est actuellement en train de se faire construire. On est en train de la placer. Attendons le jour qu'on va te chanter. Voilà qu'elle est morte, on va l'enterrer. Voilà qu'elle est morte parce que je sais très bien que tu n'iras jamais en paix. À cause de tes atrocités, tu n'es qu'une sale vagabonde. Tu n'es qu'un élément toxique parmi les gens dans une parcelle de fous. Prof! Hein? C'est quoi ça? Assez. Assez de toutes les bêtises que tu dis. Alors, je serai maintenant obligé de te jeter d'ici si tu ne sors pas à la minute. Moi? Il n'y a pas de garçon ici. Jetez-moi cet homme en dehors d'ici. Où sont ces garçons? C'est de ceux-là que vous parlez? Jetez-les dehors! Jetez-les dehors! On va me jeter dehors. Allez-y, soulevez-moi. Hein. Allez-y doucement en tout cas. Allez, laissez-moi maintenant. Laissez-moi. Hey, vous voulez vous battre, ça, hein? Allez, venez. Venez, je vous attends. Laissez-moi. Hey! Oh! Je vais vous donner la pire raclée de ma vie. Mes anciens, je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer ici. Vous connaissez cet homme? Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Alors j'aimerais m'excuser sincèrement. S'il vous plaît, où étions-nous? Maman, tu pleures encore? Maman, tu pleures tous les jours. Hein? Je t'avais dit d'arrêter de pleurer pour ces gens. Je n'ai pas du tout aimé ça. Maman, je n'ai pas du tout aimé ça. Maman. Comment peux-tu me demander ça? Comment peux-tu me demander d'arrêter de pleurer? Comment peux-tu me demander ça? Au moment où tout le monde entier est ligué contre moi, tu vois? Mais mon propre fils, mon fils unique m'a abandonné. J'ai tout fait pour lui et maintenant qu'il est devenu riche, il s'est tourné vers ces gens qu'il avait abandonnés depuis tout petit. Généreux, tu veux que je sois contente? Maman. Pendant que mon propre fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a traité de sorcière. Comment veux-tu que je sois heureuse? Maman, maman, je t'ai dit d'arrêter un peu de pleurer. Je n'aime pas ça du tout. Maman, regarde, je quitterai cette maison pour toi. Je quitterai cette maison pour toi. Hein? Je t'avais dit pleurer comme ça, tu es en train de blesser mon cœur. Tu ne m'écoutes même pas. Maman, arrête de pleurer. Je quitterai cette maison pour toi. Je quitterai cette maison pour toi. Chaque jour, tu pleures. Je t'ai dit, arrête de pleurer. Oui, ok, j'arrête. Je ne vais plus pleurer. Qui est cet homme? Hé, hey, maman. C'est l'homme que je t'avais parlé l'autre fois. Enik, maman. Hey. Ma fille, c'est l'homme qui cherche à demander ta mère maman, en mariage. Maman, Enik, tu vois? Hein, maman? Essuie tes larmes, maman. Essuie les larmes. Hé, hey, vite. Maman, souris pour moi, maman. Souris. Maman. Bonjour, maman. Hey, bonjour, jeune homme. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Comment vas-tu? Je vais bien. Bienvenue. Merci. Maman, t'as pas l'air bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, non, il n'y a rien. Je vais bien. Je vais bien, ça va. Oui. Jay, pouvons-nous entrer à la maison? Ok, allons-y. Mon fils, cette relation ne marchera pas. Cette femme est une sorcière. En plus, elle a été bannie et s'associer à n'importe quel membre de ce village. Hein? Tu aurais dû m'en parler d'abord, avant d'aller là-bas. Je ne comprends pas ce que tu me dis, papa. Qu'est-ce que tu veux dire par sa mère est sorcière? Ifeti est une femme très méchante. La femme qui a eu le courage d'empoisonner son propre fils.
à cause d'un petit problème qu'ils ont eu. C'est cette femme dont tu veux épouser la fille. Mon ami me l'avait déjà dit, mais je ne le crois pas. Oh, on t'en a déjà parlé. Pourquoi penses-tu que Kelechi, ton ami, l'a abandonnée avec sa fille? À cause d'une petite dispute qu'ils ont eue, elle a failli tuer son fils. À cause d'une petite dispute qu'ils ont eue, et sa fille était de son côté. C'est fort probable que cette fille ne soit pas une bonne fille. Et papa, je ne crois toujours pas à ça. Je ne les crois toujours pas. Peut-être que sa mère est sorcière, mais Chinere que je connais ne va pas faire un truc pareil. C'est une bonne fille. Ah ah! Eric, tu ne devrais pas. Tu ne dois pas épouser cette fille. Personne dans tout ce village ne s'associe à cette famille. Et tu ne dois pas faire exception. Hein? Il y a beaucoup d'autres filles qui sont très belles et très responsables partout dans ce village et qui sont à ta disposition. Tu comprends? Ça ne doit pas être cette fille. Eric, si tu insistes que tu vas l'épouser, c'est ton problème. Ah, ah, je vais l'épouser. Moi, je vais l'épouser. Je ne vais pas la laisser. Je l'aime beaucoup. Hein, Eric, je vais l'épouser. Moi, disparais vite de ma vue. Mon fils, laquelle de mes filles es-tu en train de parler? Ton autre fille, Chinere. C'est de celle dont tu parles? Effectivement, je l'aime beaucoup et je vais l'épouser. Ah. Jeune homme. Oui, maman. Tu n'es pas l'enfant de Ichie Obinebe, le meilleur ami de mon Kelechi? Oui, maman, je le suis. Tu ne t'es pas dit que sa maman est une sorcière? Ton père t'a permis de venir l'épouser? Oui, mon fils, c'est répandu partout. Et quant à ma fille, je ne peux pas te garantir le contraire. Elle est comme sa mère. Écoute, c'est ma famille, mais je ne peux pas te cacher la vérité. Parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre traverse ce que j'ai traversé moi. Tu peux demander à Kennedy, ton ami. Eric, de quoi tu parles? Hein? De quoi tu parles? Eric, tu ne me fais plus confiance. Tu ne me fais plus confiance, Eric. Regarde, bébé, c'est pas une question de confiance. J'ai confiance, mais personne ne veut être de mon côté. Tout le monde est contre ma décision. Même mes parents n'ont pas approuvé ma décision. Mais j'insiste toujours. Voyons, je suis désolé. Eric, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie, Eric, je t'en supplie. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Ne m'inquiète pas, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mais il n'y a rien du tout que je puisse faire. Regarde. J'ai prié à Dieu pour que tu trouves un autre homme. Peut-être dans un autre village, ok? Ne m'inquiète pas, ne m'inquiète pas. Je ne veux pas un autre homme. Je ne veux pas un autre homme, Eric. Écoute, tu sais que je veux que je suis désolé. Eric, je te plaît, ne m'inquiète pas. Eric, ne m'inquiète pas. Eric. Eric, tu m'as quitté. Eric, tu m'as quitté. Eric, tu m'as laissé, Eric. Eric, tu m'as quitté. Eric, ne me laisse pas seul, Eric.
Eric m'a laissé. Écoute-moi, Jay. Ça va aller. Calme-toi. Essaye de te porter, ok? Ma fille, Eric t'a abandonné parce qu'il n'était pas confiant. Et non par rapport à ce que les gens racontent. Hein? S'il te plaît, essuie tes larmes et continue avec ta vie. Maman, tu ne vas pas comprendre. Maman, tu ne sais pas. Eric, je l'avais aimé. Eric, c'est ma fille. Eric m'a laissé, il est parti. Eric m'a laissé. Eric, je vais me tuer moi-même. Je vais me tuer. Arrête. Je vais me tuer. Écoute, tu vas survivre avec ou sans Eric. Tu vivais avant qu'il ne vienne dans ta vie. Alors, pourquoi veux-tu te donner la mort parce qu'il est parti? Dis-moi d'abord. Qui est-il? Qui est ce Eric? Hein? Pourquoi veux-tu te tuer? Ma fille, Eric n'est pas l'homme parfait pour toi. Dieu t'enverra quelqu'un qui va t'aimer. Écoute, arrête de pleurer. Maman, laisse-moi te tuer. Allez, maîtrise-toi. Je vais tuer. Regarde, Eric, c'est mon amour. Je l'ai aimé. Je l'ai vraiment aimé. Je l'ai aimé, Eric. Eric, tu m'as laissé, puis tu es parti. Chichi, Eric, reviens-moi, bébé. Ça. Eric, reviens-moi. Eric, tu m'as fait pleurer. Eric, tu m'as fait pleurer pour toi, Eric. Eric, je t'avais aimé. Arrête ça, Eric, reviens-moi, Eric, je t'ai porté. Maman, laisse-moi, je vais me tuer. Je vais me tuer. Je vais te donner la mort. Je vais me tuer. Hey, ma fille, calme-toi. Oh, ma fille, oh, calme-toi. Hey. Eric est parti. Hey, épouse-toi. Dors un peu. Eric est parti. Oh mon Dieu. Maman? Qu'est-ce qui va pas avec elle? Maman? Qu'est-ce qui va pas avec elle? Mon fils, je ne sais pas. Elle se retrouve dans cet état parce que son fiancé Eric l'a quitté. Il ne veut plus de lui. Quoi? Oui. Tu veux dire que ce fou a rompu avec elle? Oui, c'est ce qu'il Pourquoi? A fait. Pourquoi? À cause de la rumeur qu'il a entendue à propos de la famille. Regardez-la maintenant. Oh, ce sale idiot. Tu veux dire que cet illettré, cet idiot intersidéral, ce sale petit fou incarcéré, ce sale endroit ressemblant à un feu de bois, n'est rien d'autre qu'une parcelle de fou. Connaît-il la gravité de l'offense qu'il vient de commettre? Connaît-il la mère de la fille avec laquelle il vient de rompre? Quel genre de stupide chagrin il vient d'apporter à cette pauvre petite fille? Ça, c'est l'imbécilité. Ça, c'est vraiment la pure imbécilité dans la classe humaine. Maman, alors, hey. Comment va-t-elle? Parce que est-ce qu'elle va mieux? Il n'y a pas de changement. Si tu essaies de la toucher, tu verras que la température de son corps est très élevée. Ah. En plus, elle frissonne. Oh mon Dieu, c'est vraiment sérieux. Vous savez quoi? Je pressens la malaria. Ça doit être la malaria, exact. Ah. Non, c'est pas la malaria. Si c'est la malaria, alors nous sommes foutus parce que nous avons même pas un centime dans cette maison. Nous n'avons rien. Ah, la pauvreté est entrée en profondeur dans votre maison. Ça c'est la pauvreté à un niveau supérieur. La pauvreté a même fini par grandir dans cette famille. Mais vous savez quoi? Ne vous en faites pas. Dosier, viens, va voir un pharmacien. Dis au pharmacien de te donner un médicament pour la malaria. Grand frère Leken, dis au pharmacien de te donner... Bioméganicine pour la malaria. Ça existe dans le dictionnaire? Allez, ferme-moi ça. Prends ça. Va vite voir les pharmaciens et demande de te donner des médicaments pour la malaria. Cours, bon sang, cours. Ne t'en fais pas, ma chère. Tu vas aller bien, ok? Tu iras bien. Oh. Écoute, mon fils, s'il te plaît. Tu dois venir la voir. Je t'en prie. Il y a de cela deux jours, mon garçon. Qu'elle est très malade. Elle ne survivra pas. Je t'en prie, mon fils, fais quelque chose. Son état ne fait que s'aggraver tout le jour. Je t'en prie, Eric, viens la voir.
Je suis désolé, maman. Il n'y a rien que je puisse faire. Il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Je suis désolé. Vraiment désolé. Eric, mon fils, je ne te demande pas de l'épouser. Pas du tout. Comprends-moi. Je ne peux pas te forcer quoi que ce soit, tu le sais. Je ne peux pas. Mais s'il te plaît, viens juste la voir. Je suis sûre que dès qu'elle te verra, elle se remettra sur pied, mon fils. Je t'en prie, Eric. Elle est ma fille unique. J'ai pas envie de la perdre, pitié. Je suis désolé de décevoir, maman, mais s'il je ne peux plaît, pas. Eric, je ne peux pas. Je t'en prie. Je ne peux pas. Allez, tout ce que je te demande, mon fils, c'est d'aller lui rendre visite, c'est tout. Eric, que fais-tu ici avec cette sorcière? Hein? Viens loin à la maison. Je dis va à la maison. Écoute, ta sorcière, je vous ai bien dit, toi et ta fille, de rester très loin de mon fils. Toi et ta mauvaise fille. Est-ce que tu m'entends? N'ose pas me pousser jusqu'au bout. Maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Hey, maman, qu'est-ce qui ne va pas, non? Qui est malade? Comment tu vas? Maman, je me sens mieux. Je me sens bien. Mais, maman, toi, tu ne vas pas bien. Hein? Qu'est-ce qui te dérange? Es-tu malade? Ça va. Je vais bien. Je t'ai apporté quelques antipaludéens. Maman. Pour que tu te sentes bien. Je prendrai ça après. Mais, maman. Qu'est-ce qui te dérange? Hein, maman. Je peux comprendre quand tu es inquiète. Je te l'ai dit. Hé, hey, maman. Désolée. Hein? Désolée. Oh. Hé. Hey. Je vais bien. Désolée, oh. Ça va aller. Partons dans la maison, ça va aller. Hé, hey, maman, je t'avais dit, faut pas t'inquiéter. Hein? Lève-toi, partons à la maison. Je t'avais dit, il faut pas s'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Ça hein? va aller. Désolée, oh. Ah, ah. C'est vraiment sérieux. Je veux dire, quand est-ce que ces symptômes ont commencé à se manifester? Hey, prof, prof, hey, moi, non, non. Oh, oh. Non, non. Oh, oh, désolé, j'ai oublié que je m'adressais à une fille de basse classe. Quand est-ce que la maladie de ta mère s'est générée? Hey, générateur, on n'a pas un générateur. Générateur a donné la maladie à ma maman. Générateur de la maladie à maman. Chi, calme-toi. Calme-toi, ok? Ce que je veux dire, c'est que quand est-ce que la maladie de ta mère s'est originalisée? Je veux dire, quand est-ce que ça a commencé? Hi, professeur. Elle était malade avant-hier. Avant-hier. Depuis hier? Avant-hier, professeur. Elle est tombée et elle est malade. Elle est
été tombée puis elle est malade. Ça, c'est sérieux. Tu veux dire que ta mère est tombée et puis est devenue malade? Malade, oui. Ou bien tu veux simplement dire qu'elle est tombée malade ou bien est devenue malade? Elle est malade, elle est malade. Oh, calme-toi. Arrête, arrête, arrête de pleurer. Viens là, viens là. Arrête de pleurer maintenant. Arrête, arrête maintenant. Je sais ça parce que j'ai vraiment de la peine pour toi. Je m'inquiète vraiment pour toi. Et, écoute, je suis un professeur. Un professeur avec un très grand profil. Un professeur avec un très grand degré. Un professeur avec un degré PhD. Un professeur avec un diplôme de médecine. Donc ta mère ne mourra pas dans la souffrance. Ok? Juste essaie de te calmer. Essaie de te calmer. Tu sais quoi? Je vais aller chez moi maintenant. Je vais appeler mes garçons. Et on va s'asseoir, faire un plan pour pouvoir savoir aider ta mère pour la faire sortir de ce stade de maladie. Professeur, professeur, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas que ma maman meure. Je ne veux pas qu'elle meure. Ma maman a toujours été là pour moi. Elle est toujours là pour moi. Je ne vais pas la perdre, s'il te plaît. Ta mère ne mourra pas. Hein? Comme tu viens de le dire, ta mère ne mourra pas. Ta mère est en train de souffrir de ce qu'on appelle circoncéao inamer. En tant que professeur avec un si grand degré, j'ai eu à passer par des organisations santé comme l'OMS sous de blouses de docteur, comme on le dit. J'étais aussi un docteur, on peut le dire. Oh, tu ne peux pas le prononcer parce qu'apparemment c'est français, trop dur pour toi. Mais ne t'inquiète pas, ok? Tu sais quoi? Juste calme-toi. Ta mère est une vraie référendum. Dis référendum. 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 C'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit référendum. Référendum. Ta mère doit être distillée. Et une fois que je l'aurai distillée, elle sera une référendum. Et si le référendum refuse d'être référendumisé, elle sera en ce moment-là immunisée. Et au moment où je l'aurai immunisée, elle deviendra mémorandum. Après le mémorandum, elle sera momolisée. Dis momolize. Comolize. Je n'ai pas dit lies. J'ai dit momolize. Comolize. Bien. Comolize. Arrête-toi là. Retiens ta respiration afin que tu ne la perdes pas. N'importe quoi. Ah. Random. Alors, c'est quoi ton plan? Gosier. Oui. Je n'ai pas encore réfléchi sur un quelconque plan. Mais mon esprit n'arrête pas de me dire que cette femme a besoin de sérieux et urgents traitements médicaux. Sinon, sa vie pourrait être piotolisée. Et si sa vie devient piotolisée, ça veut dire que tout son cadavre va se transformer en poisson de mer. Ça sera complètement fini pour nous. Donc nous devons faire quelque chose très vite pour ça. Je suis d'accord avec toi. Mais le seul problème, c'est l'argent. Comment on peut l'avoir? Oh, Gosier! Oui, monsieur. Quiconque se promène avec le professeur doit se comporter comme le professeur. Écoute, Gosier, dans les moments les plus tragiques, tu es censé être d'accord et accepter. Dis d'accord. D'accord. Approuvé. Approuvé. Prononce-moi ça bien. Je dis approuvé. Approuvé. Bien. Je n'ai pas encore réfléchi sur quoi que ce soit de concret, mais mon esprit n'arrête pas de me dire. En fait, essaie de me montrer quelque chose, en fait. Et je crois que les plans que j'ai maintenant vont aboutir à quelque chose de bien. Exact. Le plan? Bien sûr que j'ai un merveilleux plan. Lesquels? T'en fais pas. Quand maman sera venue, je vais absolument te faire part de ce plan. Et tu seras embarrassé. Oh, baisse-toi bien, voyons. Merci, Dieu vous bénisse. Je vous en prie.
Dieu vous bénisse, madame. Nero benyako, tuku genyere gako, ebi shiri weputo, na genyeno gona majio. Mama nyere mwo benyako, tuku genyere gako. Dieu vous bénisse. C'est bon, c'est bon. Vraiment. Assieds-toi. Ah. La journée n'est pas facile, oh. Pas du tout. C'est vraiment trop dur. Je ne savais pas que tu avais ce talent, mais j'ai vraiment vu un grand talent. Ah. Prends. Compte l'argent et dis-moi combien est-ce qu'on a là-bas. Fais-le en douceur, s'il te plaît. Dis-moi, combien est-ce qu'on a là? L'argent est insuffisant. Je veux dire, combien est-ce qu'on a là? C'est très peu. Combien est-ce qu'on a là, au juste? C'est trop peu. Est-ce que c'est le montant qu'il y a là? Compte ça et dis-moi, combien est-ce qu'on a là? Combien est-ce qu'on a? C'est ce que je vais avoir comme valeur. 6, 10. 6, 10? 610 naira. 610 naira. Oh, quel environnement pauvre. Si c'était chez les Blancs avec Halloween, cet argent aurait déjà été des dollars ou même des euros. Mais malheureusement, nous vivons dans un pauvre pays, dans un environnement pauvre et rempli de pauvres partout. Mais que pouvons-nous faire d'autre? Le plan A nous a déçus. Nous devons tout faire pour pouvoir aider cette pauvre femme. Est-ce bien compris? Nous devons nous élever vers quelque chose. Nous devons tout faire pour nous élever et chercher à atteindre la perfection. Pour avoir plus d'argent afin de pouvoir aider cette pauvre femme. Alors je t'en prie, nous devons penser à quelque chose à faire rapidement, très rapidement. Mon frère, qu'est-ce qu'on va faire? Deuxième, s'il te plaît, ne distrais pas ma concentration. Je suis en train de réfléchir. Mais deuxième, mon frère, sais-tu que tu es vraiment talentueux, tu es vraiment un imbécile. J'avais presque ri moi-même là dehors. Sérieux, tu es vraiment talentueux. Si tu n'étais pas mon frère, j'aurais souhaité que tu restes ainsi. Sans effet, mon frère. Je sais que très tu bien. Donne-moi maintenant l'argent, s'il te plaît. Je vais le tenir. Sors d'ici. Sors de ma maison, vas-y. Sors de ma maison. Au
fait, s'il te plaît. Va-t'en d'ici. Sors d'ici. Mon frère, s'il te plaît. Parce que je n'arrive pas à me souvenir de vous avoir donné mon adresse. Mon frère, s'il te plaît. Mon frère, s'il te plaît, mon frère. Je t'en supplie. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu n'irais. Je te le demande encore. Dis-moi comment tu as fait pour obtenir l'adresse de cette maison. Mon frère. Mon frère, maman est gravement malade. Maman est en train de mourir. Maman est en train de mourir, mon frère. S'il te plaît, Kennedy. Maman est mourante. Maman est mourante. Donc, elle n'est même pas encore morte. Mais elle est mourante. Très bien pour vous. Très bien pour vous. Va à la maison et va voir ta sorcière de mère, parce qu'elle n'est pas ma mère. Écoute, laisse-moi bien t'avertir que ceci soit la dernière fois que je vais te voir aux alentours d'ici, de ma maison. Je ne parle même pas de l'intérieur, parce que là, je vais te tuer en vie. Mon tu m'entends frère, très bien. Sors d'ici maintenant. Mon frère, tu traites maman d'une sorcière. Oh, donc tu ne le savais pas. Oh, auparavant, tu ne savais pas que c'est une sale sorcière. Ne viens plus chez moi ici. Que ce soit la dernière fois que tu vas mettre tes sales pieds ici, dans ma maison. Si tu viens encore, tu n'apprécieras pas ce que je vais te faire. Alors, si tu sais comment tu es venu ici, s'il te plaît, lève-toi, pars d'ici maintenant. Ne cherche pas à m'énerver, s'il te plaît. Mon frère, s'il te plaît, non. S'il te plaît, je t'en supplie, mon frère. Mazienou. Mon frère, je t'ai supplié depuis, mais tu ne m'écoutes même pas, mon frère. Maman est malade. Maman est malade. Tu m'as dit de quitter ta maison. Mon frère, maman est en train de souffrir, souffrir pour toi. Elle a souffert. Elle a tout fait, mon frère, pour toi. Mon frère, tout ça pour toi. J'ai quitté le corps. J'ai quitté le corps, mon frère, pour toi. Tout le monde traite maman d'une sorcière à cause de toi, mon frère. Et tu m'as dit de quitter ta maison. Tu n'irais, tu oses me provoquer. Tu gaspilles ma patience avec toi. Lève-toi et pars. Lève-toi, parle ici. Parle ici. Pardon. Je vais te tuer ici. Laisse-moi je vais te tuer. Tu vas pas me tuer. Tu vas pas me tuer. Je quitte ta maison. Ok, le Choukou, je quitte ta maison. Mais je dois te dire quelque chose. Que tu apportes l'argent, que tu n'apportes pas l'argent. Maman ne mourra pas. Je te l'ai dit. Maman ne mourra pas. Tu n'irais. Tu es là, avec une grande maison. Tu irais. Pas de problème. Je quitte ta maison. Mais un jour, tu te souviendras de ces jours que tu nous as abandonnés. Que tu nous as abandonnés. Va-t'en. Je pars. Va-t'en d'ici. Idiote. Je me fous totalement de ta sorcière de mère. Sorcière. Oui, sorcière. Vous êtes toutes les deux les sorcières. Vous vouliez me tuer. Si jamais je vois encore tes sales pieds ici dans cette maison. Merci.
La maman, c'est magnifique, bébé. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tu peux danser jusqu'à demain, oh. Merci beaucoup, hein. Merci, oh. Félicitations, papa, tu la sens très bien, hein. J'adore ça. Voici l'argent que moi et mon ami Yobi avons trouvé pour ajouter avec le peu qu'on t'a remis hier. Je pense que ça pourrait nous aider afin de pouvoir envoyer ta mère à l'hôpital. Tiens, prends-le. Je pense que ça pourrait te venir en aide. Prof, merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prof, c'est une bénédiction pour moi dans ce village. Mais prof, désolé. Ma maman a quitté ce village. Mon oncle est venu prendre ma mère et puis ils sont allés au Noku pour 3 mois. Ils sont partis juste cet après-midi. Attends un peu une minute. Tu veux dire que ton oncle est entré dans cette parcelle à Vamos avec ta mère vers Inogu et personne n'a pensé que c'était nécessaire de m'informer, moi, un grand professeur comme moi? Tout ça n'a aucun sens. C'était quoi ça? Prof, je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Oh, désolé, j'ai oublié que tu étais une femme qui comprend mal le français. Ce que je veux dire par Vamos, c'est que ton oncle est entré dans cette parcelle et a migré avec ta mère à Enugu sans ma permission. Un grand professeur comme moi. Le regret. Prof, je ne connais pas ça. Désolé, ce que je veux dire en un mot, c'est que ta chère mère a été enlevée de cette parcelle sans m'informer, moi, le professeur. Prof, vous l'utilisez. Que Dieu me parle. Non. Maman, vous l'utilisez. Maman, il n'est pas fait de vous l'utiliser, prof. Oh, désolé, j'ai oublié que j'ai affaire à une femme avec une très faible mentalité, faible vocabulaire. Ton vocable, il est encore immature. Tu essaies de lui donner un sens, mais tu n'y arrives toujours pas. Ce que je veux dire en un sens, c'est que ta mère a été enlevée d'ici, vers Enugu pour le traitement, et personne n'a trouvé que c'était nécessaire de m'informer, moi. M'informer, moi, un PhD. Ah, prof. Ça, non. Ça, jamais. Mais merci beaucoup. Je prends cet argent, j'irai demain à Onoku voir ma maman. Oh. La voir là-bas. Et je lui dirai que tu m'as donné cet argent. Tu veux dire que tu vas vamousser d'ici vers Enugu pour aller voir ta mère? Quoi qu'il en soit, c'est une bonne idée. Quand tu vas arriver là-bas, n'oublie pas de faire passer mes salutations agressives
à ta chère mère. Si ce n'était pas pour une chose, j'aurais utilisé mon vocab pour la guérir de sa maladie. Mais quoi qu'il en soit, juste prends agressivement mes salutations pour lui donner et dis-lui qu'elle ira mieux en tout cas. Est-ce bien compris? Prof, hmm? je la dirai toutes choses. Oh mon Dieu, ça c'est bien. Merci. Ça c'est bien. Hey, prof, je t'apprécie beaucoup. Tu n'irais, rectification je t'en prie. Ne m'appelle pas prof. Quand tu m'appelles prof, tu es en train de me diminuer en ce moment. Tu dois m'appeler prof. Mais quand tu m'appelles prof, tu es en train de me diminuer en ce moment-là, tu vois? Sur la surface de la terre, donc tu dois m'appeler prof. Dis-le. Prof. Répète-le encore. Prof. Ça, c'est merveilleux. Je t'ai valorisé. Bien sûr, tu m'as valorisé. Docteur, pourquoi tu as couvert ma maman? Maman, maman est malade et tu la couvrais. Je vous en prie, calmez-vous. Nous avons tout essayé, nous avons fait de notre mieux, mais elle est partie. Hein? Docteur, je ne te comprends pas, docteur. Hein? Elle est morte. Maman? Votre oncle était là, mais il est parti à cela quelques minutes. Il reviendra pour s'occuper de son corps. Votre mère est morte. Maman! Mademoiselle, calmez-vous. Maman, dis-moi qu'ils sont en train de mentir. Je vous en prie, calmez-vous. Maman, dis-moi que tu vas te réveiller. Maman! Je suis vraiment désolée. Maman! Viens avec moi. Maman, réveille-toi. Vous ne pouvez pas rester là. Partons d'ici. Non! Julien, il repart. Laisse-moi, maman. Maman! Dis-moi pourquoi maman est morte. Oncle, le fait que tu viennes chez moi sans pourtant m'avertir, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Isola, je vous ai apporté la nouvelle que sûrement vous aimeriez entendre. Ifeti est morte. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par Ifeti est morte? Non, oncle. Je sais, tu ne peux pas être sérieux. Oncle, juste dis-moi que tu es en train de blaguer. N'en es-tu pas heureuse? N'est-ce pas que cette nouvelle est censée vous redonner de la joie? Non mais sérieusement, je ne m'attends même pas à ce que vous affichiez cette tristesse sur vos visages. Hein? Je m'attendais plutôt à ce que vous, d'être vraiment heureux. Hein? Maintenant qu'elle est morte, et qu'elle est partie pour toujours. Maintenant, vous pouvez tous avoir accès à la richesse de son enfant, sans qu'elle ne soit là pour pouvoir vous interrompre. Ou bien pour hanter votre conscience. N'est-ce pas une bonne situation pour vous? Kenichi, mon fils, tu n'avais donc pas appris la nouvelle que j'étais malade? J'avais besoin de ton aide. N'avais-tu pas vu ta sœur Chinere venir chercher ton aide à propos de ma santé? Tu ne l'avais pas vue? C'est quel genre de bêtises que tu es en train de me dire là présentement? C'est quel genre de bêtises que tu me dis là? Arrête de pleurer comme ça. Je ne me rappelle même pas de vous avoir donné mon adresse d'ici. Je ne sais pas comment vous avez pu avoir mon adresse. Mon fils Kenichiko, c'est le fait que nous avons retrouvé ton adresse qui te dérange ou l'état de santé de ta mère?
j'étais sûrement sourde. Parce que je t'avais très bien dit que tu as cessé d'être ma mère le jour où tu m'as empoisonné. Je ne suis pas ton fils. Alors, tu n'es pas ma mère non plus. Alors, tu n'as aucun droit de me demander quoi que ce soit, tu entends? Mon fils, ne penses-tu pas que tu as commis une grave erreur? Et tu vivras le reste de ta vie en les regrettant? Tu ne vois même pas que je m'en fous? Tu ne vois même pas que Kelechi s'en fout? Je m'en fous, je m'en fous totalement, ok? Je me fous totalement de ce que les gens pensent de ce problème. Ou peu importe comment tu l'appelles, je m'en fous. Je me fiche de comment tu te sens. Et je me fiche complètement de tout ce qui a pu t'arriver. Mets-les dans ta tête. D'accord? Kelechi, le temps viendra où tu t'inquiéteras à propos. Il sera déjà tard. Écoute maintenant. Laisse-moi te dire maintenant. Dès que j'aurai terminé cet appel, je ne veux pas te voir ici dans ma parcelle. N'importe quoi. Oui, allô? Oui, papa. Quoi? Papa? Non. Ce n'est pas possible. Papa, non. Elle est juste... Hein? Jésus. Hein? Ah, c'était un rêve ou quoi là? Elle était là. Oui, elle était là. Elle était là. Elle était là. Papa, tu ne vas pas me croire, mais cette femme est venue chez moi, dans ma maison en ville, quelques minutes seulement après sa mort. Quoi? Quoi? Oui. Ah, et puis, vous savez quoi, papa? Elle était avec moi au moment où tu m'as appelé. Ah, et je l'ai alors laissé pour répondre à ton appel. Et j'ai pensé lui retourner après. Juste après avoir reçu la nouvelle de sa mort. Papa, je n'ai pas pu la revoir. Quoi? Que veut dire tout ceci? Maman, je n'en sais rien. Je n'arrive à rien comprendre. Hey! Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle disait que... L'oncle est là. Oncle, bienvenue. Asseyez-vous. Apporte-lui quelque chose à boire. D'accord. Qu'est-ce que vous non, voulez boire? Non, ne va pas. Ne vous dérangez pas. Je vais bien. Je vais bien. Ok. Quelle est-tu rentré? Oui, grand-oncle. Je suis venu il y a quelques minutes. Alors, comment as-tu reçu la nouvelle de sa mort? C'est mon père ici présent qui me l'a dit. Oncle, tu dis que tu ne veux pas boire quelque chose? Non, je n'ai besoin de rien. Tu as demandé à me voir. Me voici. Oncle, je vais te remercier pour le trouble que tu es en train de traverser en prenant soin du corps de ma femme. Je sais que tu es le seul qui prend cette histoire à cœur. Nous voulons juste savoir quand est-ce qu'on va l'amener ici. C'était une bonne femme. Mais je ne savais pas qu'elle était malade jusqu'à ce que j'apprenne cette nouvelle. Écoute, Izuna, je t'en prie, ne va pas jusque là-bas. Si tu as quelque chose de mieux à dire, s'il te plaît, va droit au point. Ok. S'il te plaît, nous voulons juste savoir quand est-ce que vous allez amener le corps. Bien sûr, le corps n'est pas le mien. Le corps vous appartient à vous. J'avais juste assisté en amenant la morgue parce que je ne voulais pas que son corps puisse pourrir là-bas à l'hôpital. Donc vous pouvez le récupérer quand vous voulez pour des funérailles proprement dites. Oh, merci beaucoup. Merci. Très bien. Oh! Ah! Papa, tu es là? Oui, mon fils. Je veux savoir si tu es déjà prêt pour incinérer le corps de ta mère. Il faut déjà que tu te prépares à ça. Mais on ne s'est pas encore mis à discuter sur ce point-là, sévèrement. Papa, tu as raison. C'est parce que
J'essaie de résoudre quelque chose. J'aimerais lui offrir de bonnes funérailles. Très bien. Pas à cause de qui elle était, mais c'est plutôt à cause de mes amis. Je veux vraiment leur prouver que je mérite le nom par lequel ils m'appellent. Ogweje Kego. Oui. Ils me connaissent tous comme un jeune homme très riche qui est toujours au top. Très bien. Connais-tu son histoire? Pas vraiment beaucoup. Seulement mes meilleurs amis, notamment Eric. Mais papa, de toutes les façons, cela ne change vraiment rien. Il sait pourquoi je l'avais traité de cette manière, papa. Ok. Maman! Maman, pourquoi tu as pu me laisser? Maman! Cette boisson est trop bonne. Tellement bonne que ce que j'ai déjà pris avant. C'est tellement bon. Je ne te le fais pas dire, mon ami. Mes anciens. Hey, vous savez très bien combien vous êtes très chers pour moi. Je vous ai invités ici tous les deux pour vous remercier spécialement. Pour tous vos efforts pendant les funérailles de ma mère. C'est pas pour dire qu'on est appelé des anciens. Non, c'est rien. Vous avez très bien fait. C'est pourquoi je suis venu vous voir pour que nous ayons une petite discussion. Quoi donc ça? Ichie Benabe. Hein? Ichie Odoneme. Mon fils. Là, c'est 500 000 naira. Hey! Ichie Chike. Hein? Là, c'est 50 000 naira. Là, c'est pour moi. Oui. Tu veux dire tout ceci pour moi? Oui. Hey! Ichie Chike! Oudo! Oudo! Udoni jige kegu udo. Udoni jige kegu. Ije. Hey! Udo. Udo jige kegu. Ira ha jon joy. Iwe tinye twa jiyo. Ira ha jon joy. Voyons, arrêtez ça. Jige kegu. Ira ha jon joy. Iwe tinye twa jiyo. Tu nous as fait du bien. Hey! 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 Eh ouais. Hey! Regarde-toi. Regarde comment tu gardes ça. Hey! Mon fils. Tu es un homme fort.
Merci, Jay. Les funérailles que tu viens de donner à ta mère étaient vraiment les meilleures que je n'ai jamais vues. Bam. Exactement. Exactement. Tu as bien fait. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour l'achat de sa dernière demeure. Bam. Je n'avais jamais vu un tel enterrement. Tu es certainement un homme fort. Exactement, tu as très bien parlé. Il nous a vraiment surpris. Ah. Je ne m'attendais même pas à ces funérailles de première classe de cette femme maléfique. Mon fils, tu as fait de ton mieux. Hey! C'est confirmé. C'est comme ça qu'on va t'appeler. Oudejigegu. Oudo. Oudejigegu. Prince. Mes anciens, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire merci une fois de plus pour votre soutien et tout votre apport qui ont fait que le funérail se soit passé correctement. Je ne vous remercierai jamais assez. Les remercier pourquoi? Kelechukwu, pourquoi es-tu en train de les remercier? Pourquoi es-tu en train de remercier ces gens maléfiques? Professeur. Hein, étudiant? Tu viens faire quoi ici? Tu me demandes ce que je viens faire ici? Kelechukwu, tu veux dire que tu n'arrêtes pas de m'éviter, que tu veux te cacher de moi, un grand professeur comme moi? Un professeur avec un nombre de diplômes. J'étais là-bas dans ta villa. Et j'étais presque consumé par les vautours et les lions que tu as laissés là-bas. Celle que tu appelles la Jaka, ou bien je ne sais pas comment tu l'appelles. Cette femme m'avait presque tué. Il y a un esprit qui guide chacun de mes pas. Il a dirigé mes pas pour pouvoir arriver jusqu'à cet endroit. Et d'ailleurs, sans même que je le sache, je viens de remarquer que tu es là assis en train de boire avec des fous. Des gens qui n'ont pas encore compris que tels qu'ils sont là, ils sont censés être brûlés vifs. Viens. Toi, tu es fou ou quoi? Mais ta bouche. As-tu perdu la tête? Tu ta sale bouche avant qu'Ama de hein? te la ravir. Ama dit quoi? Que la foudre s'abatte sur toi maintenant là. Oh, la foudre n'a rien à voir avec moi, Bala, parce que je suis un fils de la foudre. Je n'ai pas encore commencé, parce que je sais que la vérité est encore profonde. Mais moi, le professeur, adepte de Mwambara, dira la vérité. Exact. Mwambara. Oui, mon cher. Mwambara. Oui, mon cher. Je pensais t'avoir interdit d'aller dans cette villa. Ou même, continuer à me chercher. Pourquoi me cherchais-tu? Je t'avais averti de rester très loin de moi. Kelechukwu, tu m'interdis à moi, un très grand professeur avec un grand profil. Kelechukwu, tu te rends compte que depuis que tu as tué et enterré ta mère, je ne suis pas encore venu pour te présenter mes condoléances. Donc je devrais avoir une permission avant de venir te présenter mes condoléances à propos de la mort de ta mère, c'est ça? Écoute-moi bien, je n'ai pas oublié, ok? Je n'ai rien oublié, je me souviens. Mais ce que je dis maintenant est que ce n'est pas le bon moment pour toi d'être ici. S'il te plaît, comme tu peux voir, j'ai des visiteurs. Hein? Tu as quoi? Tu appelles ces gens des visiteurs? Tu appelles ces poivres d'alligator des visiteurs? Tu appelles ces conspirateurs, ces gens sans cœur? Hey, ces hommes méchants à la peau bien. Rouge. C'est vraiment eux que tu appelles visiteurs. Non, non, je ne peux pas. Mes anciens, s'il vous plaît. Laisse-les s'il vous plaît, asseyez-vous. Oh oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Si vous trouvez que c'est de trop, vous pouvez partir. Ne partez pas. C'est vous que j'ai invité ici, pas lui. J'ai bien de le laisser dire tout ce qu'il veut dire. Asseyez-vous bien, parce que j'ai beaucoup à dire. Je n'ai pas encore fini. Alors asseyez-vous bien, écoutez le professeur. Le professeur avec un grand profil. Le professeur avec un PhD. Un professeur avec un degré de IP. Un professeur avec un degré très élevé. Alors quand je parle, vous devez tous vous asseoir et m'écouter. Vous avez sponsorisé un pauvre enfant comme ça pour pouvoir tuer sa propre mère. Et puisque vous avez réussi, voilà que vous êtes assis là en train de boire. Vous buvez votre vie. Vous buvez votre futur. Ça, c'est bien ça. Vous oubliez qu'il y a Dieu là-bas dans les cieux. Qu'après ce repos ici, vous montrez là-bas au jugement de Dieu pour pouvoir rendre compte de ce que vous avez fait normal, ici. Celui-là. Vous êtes là nous couvrir de honte. L'écouter, vous voilà avec des chapeaux de la honte. Des chapeaux rouges de la honte. Avec qui vous vous amusez? Avec qui vous amusez? Vous regardez un pauvre petit enfant avec qui vous êtes assis et vous pensez jouer avec lui? Oui, on y va, on y va. Hey, en tout cas. Abomination. Quelle stupidité. Regardez-les. Des hommes sans cœur. Regardez-les bien. Kelechukwu, laisse-moi te dire. Ces gens sont venus pour aspirer tout ton argent, un peu comme un aspirateur dans la maison. Exact. Si j'étais encore là-bas à Ami, en Ouganda, j'aurais utilisé mon propre pistolet pour pouvoir les éliminer. Et une fois que j'en aurais fini avec eux, je serais allé les accuser là-bas à la maison de la justice. Aucun sens. Regarde-toi. Kelechukwu, regarde-toi bien depuis la tête, de la tête jusqu'aux pieds. Tu as tué ta propre mère. Une femme qui a souffert pour toi.
Sérieusement, ça m'énerve de penser à comment est-ce que cette femme a souffert pour pouvoir t'élever, toi. Tu as tué ta mère et tu es là encore assis avec ceux-là qui ont aidé à tuer ta mère. Tu es en train de boire et manger? As-tu oublié que Dieu existe? Wambara. As-tu oublié qu'il existe demain? N'importe quoi. Wambara. Moi quoi? Wambara. C'est bien moi. Point de correction. Je n'ai pas tué ma mère. Qui l'a fait? Arrête de m'accuser d'avoir tué ma mère, je ne l'ai pas fait. D'accord? Quel est Chukou? Si tu n'as pas tué ta mère, dis-moi, qui l'a fait? Oh, tu n'as pas tué ta mère, mais tu as assassiné ta mère. Quelle est la différence? Non, dis-moi, quelle est la différence? Tu as oublié si rapidement comment est-ce que cette femme a souffert pour pouvoir t'élever, toi? Toi qui en aucun cas n'a été reconnaissant. Quel est Chukou? Tu n'as même pas voulu être reconnaissant. Et tu es très content pour cela. Dieu te rendra visite très bientôt. Et quand ce Dieu-là viendra, ne tremble surtout pas, parce qu'il va très bientôt venir te rendre visite. Sors de chez moi. Moi, sortir. Sors d'ici. Je ne partirai pas d'ici. Va-t'en d'ici. Sache que tôt ou tard, tu vas devoir te purifier toi-même, de la même manière qu'on purifie de l'eau. Et moi, le professeur Ating à moi, Bara, je m'assoirai ainsi, dans la Maison Blanche, t'observant comme un juge de l'Amérique. Tu n'auras pas le temps de t'enfuir. Penses-tu pas que ce pasteur avait raison? Ifeti est morte. Il sait que je suis en train de me dire que si son âme n'est pas encore prise, elle va me déranger avec ça. Que Dieu m'en épargne. Je dois bien faire quelque chose pour la stopper. Hein? Je dois bien. Oui, je dois. Femme, les dieux ont entendu tes pleurs. Je viens juste de consulter les dieux et ils ont accepté de pouvoir t'aider. Personne n'entre dans la maison des dieux et en ressort sans trouver une solution à ce problème. Les dieux vont intervenir. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Je vais te remettre l'œuf de Nédé. Tu iras au pont qui mène jusqu'à Nguéné. Ce pont qui mène vers Nguéné. C'était là que son âme était passée quand elle était en train de voyager. À Crépionde. Son esprit est passé par là, quand elle se dirigeait vers l'au-delà. Tu iras là-bas pour couvrir son âme avec cet œuf. À partir de demain, dans les après-midi, quand le soleil sera précisément sur ta tête. Je veux dire, quand le soleil sera placé au milieu dans les cieux. Ce pont isolé est là où tu dois la lier demain. Car si, par malheur, elle essaie d'aller voir Oji,
L'œuf de Nédé est la chose qui va la garder liée. Ainsi, tu pourras aller savourer ta vie. Est-ce bien clair? Merci, l'œil de Dieu. Pendant que tu feras cela, tu ne devras pas revenir par le même chemin où tu es passé. Et sur ton chemin vers la maison, tu ne devras pas regarder en arrière. Et tu ne dois surtout pas sortir ne serait-ce qu'un mot à un quelconque être né d'un humain, même pas un seul animal. Nul ne doit entendre ta voix, même les esprits ne doivent entendre ta voix. Ne parle pas à qui que ce soit jusqu'à ce que tu n'arrives chez toi. Est-ce que je suis bien assez clair? Oui, l'œil de Dieu. Prends l'œuf de Nédé. J'espère que tu as compris absolument tout ce que je t'ai dit. Bien, maintenant, tiens bien l'œuf. Ah, c'est ma pétale, la pétanque. Oh, du coup. Oh, du coup. Oh, du coup. Oh, du coup. Ah, pétanque, pétanque, allez, bah. Tu peux maintenant. Non, attends. Laisse-moi t'aplanir le chemin. Ah, c'est ma pétale, la pétanque. Oh, du coup. Oh, du coup. Oh, du coup. Oh, du coup. Ah, pétanque, pétanque, allez, bah. You can know what? Let me check the road for you. Ah, c'est mon nom de Ben Yakoujen Konano. Le chemin est aplani. Le chemin va t'obéir. Amaka, tu peux y aller. Merci, Lady Di. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Je reviendrai pour te remercier. Ifechi, les morts et le vivant n'ont pas une communication. Par conséquent, il n'y a rien, je veux dire rien du tout, fera un lien entre nous deux encore. Quand je vais enterrer cet œuf sacré, j'enterre ton âme. Et ton esprit, que cela ne me dérange plus jamais. Oh, je l'avais dit. Je l'avais dit que je percevais le mal aux alentours d'ici. Exact. D'où est-ce que tu viens exactement? Parce que je peux percevoir l'odeur ainsi que l'odorat de tes mauvais actes. D'où est-ce que tu viens à cette heure de la journée? Parce que aucun être humain ne peut marcher et parader sur cette avenue à part une sorcière comme toi. Tu viens de chez Amaka ou Asoka. Et tu ne dois en aucun cas prononcer un quelconque mot à aucun être né d'une femme. Oh, tu veux donc pas me répondre? Tu veux rien me dire à moi? Le professeur Atingamambara est en train de te parler et tu me réponds en silence? Es-tu un amphibien? Es-tu donc un animal domestique? Tu ne veux toujours pas parler? Joka ou Amaka, parle-moi. Laisse-moi. Moi, Abara,
Hey, reviens ici. Je l'avais dit que cette femme est maléfique. D'ailleurs, je vais avec elle là où elle va partir. Arrête-toi là. Arrête-toi, c'est un ordre. Ukomaga, les anciens sont là. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Les anciens, pardonnez-moi. T'es pardonné pourquoi? Pardonnez-moi. Oh. Te pardonner pourquoi non? Parle maintenant. Je fais du mal à tout le monde. J'ai blessé tout le monde. Hey! Oh. Je suis plus qu'un démon. Vas-y, parle. Je fais du mal à tout le monde. Tu as fait quoi? Mes anciens. Mais parle, non? J'ai marché contre Ifeti. J'ai menti sur elle. Elle n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Hey! Mes anciens, elle n'a jamais empoisonné quelqu'un. Elle n'a jamais tué quelqu'un. Mais, mes anciens. Hey, une méchante femme. Une méchante femme. Oui, oh, c'était moi. C'était moi qui avais fait toutes ces choses. Hein? Hey! C'était moi qui ai fait ça. Oh. Ouais. Ce n'est pas moi, possible, oh. Ça. Je le fais pour sauver mon mari un jour. Elle cherchait à me prendre mon mari. Le poison, c'est moi qui ai donné à Ekene. Oui. Je le fais. Ha! Et j'ai fait en sorte que mon mari soit contre elle. Alloué, mais. Oui, j'ai obligé mon mari à la détester. Quelle abomination! Oui, c'était moi. C'était moi, oui, c'était moi. Ce n'est pas possible, ça. Hey! Hey! Tu veux dire que c'est toi qui avais empoisonné ma nourriture? Oui, oui. Hey! C'était moi. Oh, c'était moi qui allais t'empoisonner, oh. Tu l'avais fait. Ouka Makao, je ne sais pas comment on t'appelle. À partir d'aujourd'hui. Tu es banni du royaume d'Alogo. Ça, c'est bien dit. Hey, t'as raison. Tu vas rester tout seul. Allons-y. Allons-nous-en. Quelle abomination. Je ne vais pas mourir. Pardonnez-moi. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Ma fille, c'est moi, Macao. Je suis vraiment fatiguée. Oh. Je ne crois même pas qu'on finira tous ces travaux aujourd'hui. vraiment. Oui, maman. C'est vrai. Je l'avais aussi constaté. C'était comme un miracle. C'est vrai. Mes enfants, vous m'avez vraiment surprise aujourd'hui. Vous avez vraiment travaillé. Écoutez. En tout cas, je vous remercie. Je suis fière. Maman, laisse-moi. On peut faire ça après, non? On est maintenant libre pour aller voir maman et Ken. Dans les après-midi, vous irez prendre l'argent chez lui. Mais maman, en tout cas, j'aime pas trop la façon dont tu souffres pour nous. Je n'aime pas ça. Ah. Fille. Maman, ne t'inquiète pas. Lorsque je grandirai, j'aurai beaucoup d'argent. Ça, je te le promets. Je sais que j'en aurai. Tu vas acheter beaucoup de choses. Beaucoup d'histoires pour toi. Oh, je garçon, te donnerai tout ce que tu voudras, maman. Tu vas acheter des nouveaux habits. Je te le promets. Hey. Maman. Oui. J'ai compris que l'argent que tu m'as donné, ça vient des habits que tu as vendus. Hein? Oui. J'avais vendu mes pagnes. Mais pourquoi, maman? Mais c'est les seuls habits que tu as dans cette maison. Hein? Mon fils, je ferai n'importe quoi pour toi. Je ne saurais pas te voir en train de souffrir.
tu dois t'enrôler au même moment que tes amis. Je sais. Je sais. Mais tu n'as pas à vendre tes habits. C'est rien. C'est rien, mon garçon. Tu n'as rien à arrêter l'école. Pour que tu puisses achever, nous avons travaillé dur toutes ces années. Pour que tu puisses arriver à ce niveau. Je ne peux pas m'arrêter maintenant que tu es sur le point de passer ton examen final. Mon garçon, allez, approche. T'inquiète pas, mon fils. Tout ira bien. Maman. Maman, merci. Tu as tout fait pour moi. Maman, tu es la meilleure maman de ce monde. Hein? Comme tu fais tout pour moi. Et maman, je te promets. Mais il y aura un temps. Je serai aussi une bénédiction pour toi. Hein? Je te le promets, maman. C'est bon. C'est je te le promets. Merci, maman. Je sais que tu ne me décevras pas. Maman, je sais très bien que l'argent que j'ai reçu n'est pas vraiment suffisant, considérant le type de business que je dois faire. Mais aussi, le plus important dans ces business, c'est aussi les connexions. Et par la grâce du Dieu Tout-Puissant, je vais le faire. Mais j'espère que dans très peu de temps, nous aurons une raison de sourire. Oh, mon fils, nous avons déjà une raison pour sourire. Écoute, quand je regarde en arrière, au moment où tout avait commencé, je ne savais pas qu'un jour comme ça viendra. Mon fils, Dieu nous est vraiment merveilleux. Et nous avons mille et une raisons pour être reconnaissants envers lui. Quel es-tu, mon fils? Quel es-tu? Donc, tu pars dans ta nouvelle maison avec ton père et ta belle-mère tout en abandonnant ta pauvre mère et ta sœur, celle qui a tout sacrifié pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Quel es-tu? Est-ce la meilleure façon pour me remercier pour tout ce que j'ai fait pour toi? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, toi, vieille femme. Écoute-moi très bien. Que ça soit la dernière fois que tu vas oser ouvrir ta sale bouche là pour m'appeler ton fils. Tu m'as entendu? Si tu avais réussi à me tuer, moi et Kelechi, comme tu avais planifié. Dis-moi, qui aurait fait toutes les choses dont tu es en train de parler maintenant? Qui? Fils. Sors de chez moi. Sors de ma maison. Sors maintenant. Va-t'en de chez moi. C'était sors d'ici. Va-t'en d'ici. Mon frère, s'il te plaît. Je ne me souviens pas de vous avoir donné mon adresse d'ici. Mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère. Je t'en supplie. S'il te plaît. Tignere, je te le demande une fois de plus. Dis-moi comment vous avez fait pour avoir l'adresse de ma maison. Mon frère, maman est malade. Maman est en train de mourir. Maman est en train de mourir, mon frère. Maman est mourante. Maman est mourante. Très bien, donc elle n'est pas encore morte. Elle est mourante. Bien pour toi. Va à la maison. Va rester avec ta sorcière de mère. D'accord? Parce qu'elle n'est pas ma mère. Laisse-moi bien t'avertir cette fois-ci. Que ça soit la dernière fois que je vais te voir autour de ma maison ici. Surtout que je ne te vois même pas à l'intérieur. Parce que je vais te tuer de mes mains. Maintenant, sors de ma maison. Mon frère, tu traites maman d'une sorcière. Oh! Donc tu ne savais pas.
Donc avant toi, tu ne savais pas que c'est une grande sorcière. Je ne veux pas te voir tout près de cette maison. Que ce soit la dernière fois que tu vas mettre tes sales pieds ici dans ma maison. Si jamais tu viens encore, tu n'apprécieras pas ce que je vais te faire. Maintenant, si tu sais comment tu es venu ici, alors lève-toi et pars d'ici calmement. Avant que je te fasse ce que je pense là. Mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère. Je t'en supplie, mon frère. S'il te plaît. Mon frère, je t'ai supplié depuis, mais tu ne m'écoutes même pas. Mon frère, maman est malade. Ma mère est en train de mourir. Tu m'as dit de quitter ta maison. Mon frère, maman est en train de souffrir pour toi. Elle m'a négligé, mais Mélanie travaille trop dur pour toi. Mon frère, pour toi, j'ai quitté l'école pour toi. Tout le monde traite maman d'une sorcière à cause de toi, mon frère. Et tu m'as dit de quitter ta maison. Tu n'irais, tu me provoques là. Tu n'irais, tu me provoques, je te rappelle. Lève-toi, va-t'en. Va-t'en, lève-toi pas, lève-toi, va-t'en, quitte d'ici, sors, va-t'en d'ici, je risque de te tuer, je vais te tuer. Tu ne vas pas me tuer, je quitte ta maison, ok le Chukou, je quitte ta maison, mais je dois te dire une chose, que tu apportes l'argent, que tu n'apportes pas l'argent, maman ne va pas mourir, je te l'ai dit, maman ne va pas mourir. Tu es venu ici, tu as construit des maisons, tu es heureux. Pas de problème, je quitte ta maison. Mais un jour, souviens-toi de ces jours que tu as négligé ta famille. Un jour, souviens-toi de ces jours que tu as négligé ta famille. Maman, je suis désolé. Je suis désolé. Désolé, maman. Maman, pardonne-moi, maman. Maman. Maman, je suis désolé. Désolé, maman. Je suis désolé. Je t'ai blessé. Pardonne-moi. Je ne savais pas. Pardonne-moi, maman. Maman, pardonne-moi. Je t'ai blessé. Pardonne-moi. Je ne savais pas. Maman, pardonne-moi, maman. Tu n'irais, ma fille. Va dire à ton frère Kelechi que je lui pardonne. Je n'ai rien contre lui. Pardonne-moi. Dis-lui que je l'aime toujours. Je t'aime. Je t'ai blessé. Pardonne-moi. Je ne savais pas. Pardonne-moi, maman. Désolé, maman. Maman, pardonne-moi, maman. Maman. Maman, je suis désolé. Désolé, maman. Je suis désolé. Maman, je suis désolé. Pardonne-moi, maman. Maman, tout est de ma faute. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi, maman. Maman. Pardonne-moi, maman. Mon frère, arrête de pleurer.
Maman m'a dit de te dire que... qu'elle t'a totalement pardonné. Arrête de pleurer. Mon frère. Tu fais du mal à ta mère. Arrête de pleurer. Maman. Tu n'y j'ai fait du mal à ma mère. Pardonnez-moi. Maman, pardonne-moi. Ah, pardonne-moi, maman. Maman t'a déjà pardonné. Maman. Mon frère, arrêtez de pleurer. Maman m'a dit de te dire qu'elle elle t'a déjà pardonné. Arrête de pleurer, hein. Maman. Désolée. Non, je suis désolée. Ah, maman. Ah, maman. Maman, pardonne-moi. Oh. Maman, je suis désolé, maman. Maman. Mon frère, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je suis désolé. Désolé. Maman, je suis désolé. Maman, pardonne-moi. Oh. Je suis désolé, maman. Maman, pardonne-moi. Elle t'a maman, déjà pardonné. Arrête de pleurer. Est-ce que tu m'entends? Désolé, grand frère. J'ai appris tout ce qui t'est arrivé. Mon père m'a tout dit. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, je suis vraiment désolé. Je regrette tout ce qui t'est arrivé. Je suis profondément désolé. Trouve une place dans ton cœur de me pardonner. Je suis désolé. Crois-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis tellement désolé. S'il te plaît. Enik. Désolé. Tu m'avais quitté. S'il te plaît. Pardonne-moi. Tu m'as quitté. Parce que tu ne me faisais pas confiance. Je t'avais dit, mais tu ne m'avais pas cru. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Désolé. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis aussi désolé. Vraiment désolé. Pardonne-moi, ma petite sœur. Pardonne-moi. Enik, je t'ai pardonné. Etché, s'il te plaît, veux-tu m'épouser? S'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Merci. Merci beaucoup. C'est tout, mon frère. Mon frère, je vous ai tous pardonné. Hein? Je vous ai pardonné. Merci. Désolé. Désolé. Je suis désolé, d'accord. S'il te plaît, pardonne-moi. Mon frère. Je te promets que désormais, je vais prendre soin de toi. Je vais me rassurer et que tu termines tes études, d'accord. Et pour toi, Eric. Quant à votre mariage, tout ce qui concerne votre mariage, Je vais en prendre soin moi-même. Merci, mon frère. Merci. Merci, mon frère. Merci.
pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, je ne savais pas. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Oh, je ne savais pas toute la vérité. J'étais aveugle.